Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui se cultivent et s'enrichissent. Et ceux qui se contentent de chaînes aussi bas de gamme, faites de tanguis qui bredouillent. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va monter deux carburateurs sur un moteur. Et voilà, c'est assemblé, il n'y a plus qu'à monter ça sur le moteur avec la durite et ça va faire comme un effet turbo. Allez, c'est parti, je vous montre. Prépa moteur, c'est assez courant de monter des carburateurs plus gros et depuis toujours j'aime bien faire des expériences. Ça, c'est la 4L Proto avec laquelle j'ai fait les 24h 4L 2023 à Pipriac. C'est une 4L qui a sorti 45 chevaux. Sur le papier, rien de bien extraordinaire, mais j'ai gardé le carburateur d'origine et je suis passé de 34 à 45 chevaux, mais je pense que le carburateur d'origine, il est largement limitant. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, sur la 4L avec laquelle je roule tous les jours, j'ai installé un carburateur de Renault 5 GTL, un carburateur plus gros de 32 mm de diamètre à la place de 28. Tout ça, ça a permis de sortir 57,5 chevaux du moteur à la place des 45 chevaux, puisque les prépas moteurs de base sont les mêmes, mais je crois que pour une 4L Proto, monter simplement un carburateur d'origine de Renault 5 GTL, c'est pas assez ambitieux. Donc, aujourd'hui, on va faire un autre montage. Je vais faire un montage qui n'a jamais été documenté. Je n'ai trouvé aucune trace là-dessus. On va conserver le carburateur Zenith 28 d'origine qui est déjà installé, mais on va en ajouter un deuxième. On va faire comme un carbu double corps, sauf qu'au lieu que les deux corps crachent pour les 4 cylindres, il va y avoir un carbu pour 2 cylindres. C'est un montage qui me titille depuis quelques temps et j'ai vraiment envie d'essayer ça parce que les carburateurs d'origine de 4L c'est plutôt abordable et bizarrement, entre guillemets, ils sont pas mal boudés sur les préparations. Dès qu'il s'agit de sortir un peu plus de puissance, on change le carbu, comme ce que j'ai fait sur ma 4L Daily. Je suis passé en carbu plus gros et donc ces carbu 28, ils sont remisés au placard et j'ai envie de voir s'il n'y a pas des puissances intéressantes à sortir en mettant deux de ces carbus sur un moteur de 4L. Sur le papier, ça peut marcher. Alors, je vous vois déjà venir en commentaire, j'ai l'habitude à force. Vous allez me dire encore une fois que je m'embête pour rien, que les gains seront minimes et patati et patata. Et vous allez me dire que pour sortir de la puissance sur un moteur, la solution miracle, c'est de monter des carburateurs Weber. Alors, je vais vous couper l'herbe sous le pied. Et ben, j'en ai un carburateur Weber. C'est un vrai d'époque qui est comme neuf, mais pour rien vous cacher, pour moi, ça, c'est comme faire un swap moteur, c'est trop facile, tout est déjà prêt, on remplace les quelques gicleurs pour avoir un réglage optimal et ça marche du tonnerre tout de suite. Et moi qui aime bien apprendre des trucs, si je passe directement à ça, je vais être un petit peu frustré et je vais toujours avoir dans un coin de ma tête que peut-être je peux faire mieux avec mes montages sur mesure. Donc on essaye mon montage et un jour on montrera ça, mais je pense qu'on sera déçu. Bref, ce carbu, on peut le ranger. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'installer ces deux carburateurs. Et pour rien vous cacher, c'est quand même pas une mince affaire. Il y a pas mal de choses à imaginer, notamment tous les systèmes de synchronisation des carbus. Mais ça fait plusieurs mois que j'y pense. Donc aujourd'hui, il est temps de tout mettre en application. Avant de passer à la pratique, on va faire un petit peu de théorie pour voir quel est l'intérêt de monter deux carburateurs d'origine à la place d'un seul. Donc ici, vous avez le collecteur d'origine. Ici, il y a un cylindre qui part là, un autre ici, un ici et un ici. Et au centre, on a un carburateur qui est monté là, en diamètre 28. Ce carburateur, il crache à tour de rôle dans les cylindres, donc quand un des pistons descend et que la soupape d'admission est ouverte, ça crée une dépression qui fait partir l'essence par ici ou par ici, et après dans le conduit qui correspond au niveau des conduits siamois. On a donc un carburateur pour 4 cylindres, et donc comme sur un moteur, on a un allumage 1, 3, 4,
4, 2, eh bien l'essence est aspirée une fois par là, vers le 1, une fois vers le 3, une fois vers le 4 et une fois vers le 2. Ce qui n'est quand même pas très optimal. Enfin bon, ça fonctionne, et d'ailleurs même très bien, puisque les 4L et la plupart des anciens moteurs sont équipés de cette façon-là. Mais pour sortir de la performance, c'est pas forcément l'optimal. Ce qu'on va donc faire aujourd'hui, c'est monter deux carburateurs. On va garder les mêmes entrées d'admission dans la culasse, évidemment, mais on va placer un carburateur qui va desservir le cylindre 3 et 4, et un carburateur qui desservira les cylindres 1 et 2. Le flux sera donc toujours le même au sein de ce collecteur, puisque le flux va faire 1, 3, 4 et 2. À ce montage là, il y a à mon sens un avantage et un défaut. Déjà, quand on veut gagner de la puissance sur un moteur, il est commun de raccourcir les conduits d'admission. Et monter deux carburateurs comme on va le faire aujourd'hui, ça permet déjà ça, de raccourcir drastiquement les conduits d'admission. Ici on voit que le flux doit parcourir toute cette distance en prenant en plus un coude, alors que là le flux va tout droit directement dans le moteur et la distance est largement raccourcie. Normalement avec ça, on devrait gagner un petit peu de puissance. Après, il y a un autre facteur qui entre en jeu, c'est le facteur de résonance à l'admission. C'est des calculs extrêmement complexes, mais pour vous donner une idée, c'est un peu comme à l'échappement. Lorsque la soupape d'admission va se fermer, ça va créer une contre-pression, c'est-à-dire que le flux qui allait dans ce sens-là va venir rebondir au fond sur la soupape et va repartir dans l'autre sens vers le carburateur. Normalement, pour faire une admission qui fonctionne parfaitement sur le papier, il faudrait que le conduit soit étudié parfaitement pour que, à un régime moteur donné, l'onde, au moment où elle revient au niveau du carbu, elle rebondisse dans le carbu et elle reparte en même temps que la nouvelle dépression qui est réalisée par le piston. Voilà, je peux pas vous l'expliquer plus simplement que ça, c'est des calculs extrêmement complexes et il y a tellement de perturbations possibles dans les coudes qui sont dans les conduits d'admission, dans les régimes moteurs, dans la pression atmosphérique. C'est un vrai bordel à calculer, et bien souvent, on se rend compte que c'est en faisant des conduits d'admission un petit peu au feeling, en testant différentes choses, qu'on arrive à s'approcher de quelque chose qui fonctionne bien dans une utilisation. Donc, on va s'affranchir de ces calculs extrêmement compliqués, et on va garder en tête que déjà, raccourcir la longueur du conduit d'admission, eh bien, ça va permettre de gagner un petit peu normalement sur le papier. Après, le défaut de ce montage, sur le papier toujours, c'est que, bah finalement, le carburateur, il est pas plus gros. Dans ce cas-là, l'air qui arrive mélangé à l'essence, il provient d'un carburateur de diamètre 28, et donc dans ce montage en double carburateur, l'air qui arrive mélangé à l'essence, il provient toujours d'un carburateur en diamètre 28. Donc sur le papier, normalement on gagne rien. Alors après, il y a quand même des petites réserves, mine de rien, le carburateur va mieux respirer, il va avoir des phases où on le laisse tranquille, et donc normalement ça devrait mieux marcher. Pour ceux qui ont déjà réalisé des montages comme ça, ce qui en ressort, c'est que globalement, on gagne pas tellement de puissance, si on garde les mêmes longueurs de conduite d'admission, mais par contre on gagne un petit peu en couple et en nervosité, et en bruit, parce que plus la conduite est courte, plus ça fait un son grave. Et d'ailleurs, on retrouve ce montage en double ou quadruple carbu sur certaines motos, et ce montage a l'avantage de remplir vachement mieux à haut régime, et quand on voit les régimes que peuvent prendre les motos, eh bien on comprend tout de suite leur utilité. Et dans mon cas, comme on est sur une 4L de course, eh bien ce montage, il paraît très intéressant. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie de tester tout ça aujourd'hui. On va faire ce montage-là, et évidemment, après tout ça, on ira faire un passage au banc avec un réglage, pour voir un petit peu combien ça sort, mais j'ai bon espoir que ce soit pas ridicule du tout. Voilà, le blabla c'est bien beau, mais à un moment donné il va falloir attaquer. Ça c'est donc les deux carburateurs qu'on va utiliser. J'ai récupéré le carburateur qui était monté sur le proto parce qu'il est en très très bon état, le carburateur qui était monté sur ma 4L Daily parce que pareil il était en très bon état. Donc ça c'est les carbus qu'on installera, mais avant ça il va quand même falloir fabriquer la pipe d'admission parce que ça n'existe pas. Donc ça c'est la pipe d'admission d'origine que vous avez vu il y a quelques instants sur le tableau. Voilà comment c'est foutu, l'entrée du carbu en diamètre 28 évidemment. Et ici ça ressort en conduit siamois et ça va directement dans la culasse. D'origine c'est assemblé directement avec le collecteur d'échappement, c'est un seul même bloc de fonderie. Mais dans mon cas je l'avais déjà séparé de l'échappement parce que le proto est équipé d'un collecteur d'échappement 4 en 1. Et donc en ayant séparé les deux, ça me permettait de revenir fixer tout ça sur la culasse comme il faut et sans fuite. Maintenant fabriquer ce nouveau collecteur pour monter deux carburateurs, ça va pas être si compliqué que ça. Alors j'ai quand même réfléchi pas mal de temps et fait plusieurs dessins, croquis, essais. Parce que l'idée, si ça fonctionne pas mal, et bien c'est quand même d'en faire un kit plug and play à monter sur votre 4L. Vous devez savoir à force que j'ai lancé il y a quelques temps une marque Made for L, et sur ce site vous pouvez retrouver pas mal de pièces performance pour votre 4L et dérivés, et aussi pour les moteurs Cléon qui équipaient pas mal de Renault à l'époque de la 4L. Donc vous allez voir aujourd'hui de belles pièces que j'ai fait tailler au laser, qui sont pas des pièces définitives, c'est des prototypes encore, mais déjà ça va permettre d'avoir quelque chose de propre
et qui devrait bien fonctionner. Donc déjà, j'ai fait découper évidemment une platine qui reproduit exactement la platine du collecteur d'admission et qui laisse la place pour passer le collecteur d'échappement autour. C'est un peu le bordel sur la 4L, il n'y a pas tellement de place. Et j'ai relié les deux platines au centre, histoire que ça travaille pas trop lors de la soudure, mais aussi que ça permette d'avoir un collecteur d'admission d'un seul bloc. Je pense que ce sera plus facile à serrer et que dans le temps, ce sera plus fiable. Et après, j'ai fabriqué cette platine qui va permettre de venir fixer les deux carburateurs. Cette platine-là, j'ai réussi à la faire exactement de la largeur des entrées des conduits siamois qui sont dans la culasse. Ça va permettre de simplifier la tubulure. Et puis surtout, le conduit sera le plus linéaire possible avec ce montage-là. Donc je pense qu'on sera pas mal. Voilà pour ce que j'ai imaginé pour l'instant. Maintenant, il va falloir passer à la partie concrète de la fabrication. Il y a pas mal de choses à faire. Je vais déjà commencer par me fabriquer un gabarit, histoire de pouvoir placer exactement les platines à l'emplacement que je souhaite. Pour vous donner une idée, dans 3 semaines exactement, la 4L Proto prend le départ des Classic Days à Magny-Cours. C'est short, ce qui serait pas mal, c'est qu'en plus, une semaine avant de rouler sur circuit, je puisse faire un passage au banc pour régler tout ça. Mais chaque chose en son temps. Déjà, on attaque, on fait un gabarit et déjà, ça sera bien. Mon gabarit est fait, ça y est, il épouse parfaitement la forme du collecteur et j'ai pris soin de rehausser un tout petit peu la platine ici pour que la platine finale arrive un peu au-dessus de celle-ci parce que j'ai des tubes du bon diamètre et la courbure est un peu longue et du coup j'ai peur que ça entre en contact avec le collecteur d'échappement. Donc j'ai préféré le rehausser un peu, il y a un petit peu de place sous le capot, un tout petit peu, donc au moins je suis tranquille. Donc je vais visser la platine par derrière. Ça c'est fait et maintenant il va falloir relier cette platine à cette platine. Alors j'ai fait hors caméra le premier raccord du collecteur. Je suis pas si déçu que ça parce que évidemment je le savais que ça allait avoir un résultat bizarroïde. Là c'est vraiment un prototype pour essayer, on s'en fout qu'il soit moche. L'idée c'est que ça fonctionne. Donc ce que j'ai essayé tant bien que mal de faire, c'est relier les deux conduits siamois en un seul, mais c'est vraiment pas facile. J'ai d'ailleurs fait des petits raccords ici de pièces que je souderai proprement à la fin évidemment. Mais dedans c'est pas mal. Donc maintenant faut que je finisse l'autre côté, que ce soit propre et fonctionnel. Et puis on se retrouve après parce que finalement me voir galérer à faire de la soudure, c'est pas le plus intéressant. Allez, c'est le moment de vérité. On va défaire le collecteur. Bon, toutes les vis sont défaites et évidemment c'est ce qui me semblait. En soudant le tube à l'intérieur là, de la platine, j'ai soudé par endroits le support au collecteur. Je vais essayer de dessouder ça tranquille. Bon, je vérifie que le support a pas trop bougé. Ça donnera une bonne idée de si tout est pété ou pas. Le support n'a pas bougé. C'est parfait, ça. Et du coup, voici le collecteur d'admission. Oh putain, ça va être bon, ça. Je
continue toujours à travailler sur la platine, il y a pas mal de travail de finition à faire. L'extérieur, honnêtement, je m'en fiche un peu, je vais le finir propre, histoire que ce soit présentable, mais c'est pas ce qui va donner des performances à la voiture. Et l'important, c'est surtout l'intérieur des conduits, qu'il n'y ait pas de marche, qu'il n'y ait pas de boulettes de soudure, et qu'au niveau de l'embouchure, les conduits portent bien par rapport à la taille du joint. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et puis surtout, l'intérieur, je passe ma Dremel partout dans les tubes pour que ça donne un aspect texturé au tube qui permet de mélanger l'air et l'essence. C'est un peu le même principe que ce qu'on a fait sur ma culasse avec l'effet balle de golf à l'intérieur des conduits. Mais là, je m'embête pas, c'est de l'acier en plus qui est pas très très épais. Donc pour l'instant, je fais une espèce de micro-billage entre guillemets à l'intérieur du conduit, juste en passant ma Dremel, que ça picore un peu partout et ça fait un résultat qui est pas mal. Donc ça, c'est juste après la soudure, c'est à ébavurer partout, le diamètre est pas bon par rapport au joint. Et là, c'est une fois que ça a été retravaillé, on le voit bien, c'est bien symétrique, les surfaces sont propres, il n'y a pas de marche, donc pareil ici c'est bien travaillé. Il y a juste une petite zone dans le fond à la base du coude que je peux pas toucher, ma Dremel est trop courte et les courbures sont trop prononcées, donc c'est pas très grave. Mais voilà, il y a un gros travail à faire, donc maintenant que ce premier côté est fait, on va attaquer le deuxième côté. La pipe d'admission est terminée, je suis extrêmement content du résultat. À l'intérieur, on est presque parfait. Évidemment, il y a 2-3 détails pour un truc vraiment nickel qui serait à revoir, mais c'est un prototype qui a été fait un peu à l'arrache. Donc honnêtement, pour commencer, ça ira très très bien et ça permettra de voir déjà si ce système peut fonctionner. Après, évidemment, comme c'est tout beau, tout propre, j'ai soudé la petite plaquette Made for Elle sur la pipe d'admission. J'ai surfacé tous les plans de joint avec un papier à poncer directement sur mon établi, bien à plat, histoire de rattraper les surfaces où j'avais soudé, donc il y avait parfois des petites bosses. Je pense qu'on est pas mal. En plus, c'est plus léger que la pipe d'origine, donc je me fais pas trop de soucis au niveau des poids. Ça permettra de compenser le poids supplémentaire du deuxième carbu qui sera monté. Je pense qu'on sera à peu près à équivalence. Enfin voilà. Allez, un coup de peinture et après on continue parce que on est loin d'avoir terminé. Ça, c'était presque la partie la plus facile. J'ai une mauvaise nouvelle. Il va falloir revoir cette pipe d'admission. J'ai cogité toute la nuit et j'ai réalisé que je partais sur une solution qui est bien trop compliquée par rapport à l'autre solution que j'ai trouvée. Heureusement, on va pas y avoir d'énormes modifications à faire sur la pipe. Mais vous allez voir, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Donc l'idée de base, c'était évidemment de monter cette platine juste là avec le collecteur d'échappement en dessous. Après, donc ici, on a la place pour les deux carbus. Les carbus qui se seraient placés comme ça. Et déjà, on voit qu'il y a un problème. C'est que si je remonte le collecteur et que je le mets bien en place, ça va venir toucher la cuve du carburateur. Autant dire que c'est vraiment pas l'idéal. Donc déjà, il y avait une petite modif à faire sur le collecteur d'échappement. Maintenant, le gros problème que j'avais avec cette solution, c'était le système de tringlerie que j'allais devoir inventer, puisqu'on voit que le papillon des gaz, il est ici et il fonctionne dans ce sens là. Donc il allait falloir que je fabrique une tringle ici avec des pattes de renvoi, des biellettes, pour venir tirer les deux carbus simultanément et surtout inventer un système qui permettait de synchroniser les deux carbus, parce que les papillons, il faut pouvoir les synchroniser, mais c'est au poil de cul près. Enfin bon, si vous voulez voir un petit peu ce que j'avais en tête, vous pouvez aller voir les kits des carburateurs Weber 40. C'est à peu près les mêmes systèmes, c'est les carbus classiques comme je vous ai montré en début de vidéo. Il y a pas mal de kits qui existent pour monter deux carburateurs comme ça, ce qui permet d'avoir un corps par cylindre. Sauf que il faut les synchroniser, les carbus, pour qu'ils fonctionnent exactement pareil. Et donc c'est là où il y a tous les systèmes de réglage des tirettes et tout ça qui entrent en jeu. C'est quelque chose qui est largement faisable en prenant son temps, mais c'est quand même compliqué à mettre en place. Et c'est donc là où j'ai réalisé que j'étais parti dans la mauvaise direction. Et je ne sais pas pourquoi j'ai écarté cette solution, parce que j'y ai pensé. Là, la solution basique, c'est pourquoi j'ai pas placé le carburateur dans ce sens là dans mes plans. C'est con hein, mais sauf que du coup les deux carburateurs se retrouvent avec des tirettes qui sont parfaitement alignées, donc c'est très facile de les mettre ensemble. Il suffit de mettre une biellette entre les deux et un câble de ce côté là
pour venir tirer les deux carburants ensemble. Après, il y a un petit problème sur les starters qui sont juste ici, mais ça, ça peut s'inventer en second temps. Mais là, la disposition comme ça est vraiment idéale. Toutes les entrées d'essence sont accessibles. Les tuyaux de dépression pour l'allumeur sont également accessibles. Enfin voilà, c'est la solution idéale. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et très honnêtement, au temps que je passerai à imaginer et à concevoir tout le système de tringlerie pour la solution auquel je pensais, la décision est prise que je vais prendre une petite heure pour modifier ma pipe d'admission. En gros, mes filetages ils sont là, bah, va falloir qu'ils soient de ce côté-là. J'ai des cales ici qui sont parfaitement de la bonne taille, qui vont me permettre de faire les trous exactement au bon endroit. Je vais rajouter un petit peu de matière à cet endroit histoire de faire quelque chose de bien. Ici, il y a assez de matière pour que je puisse faire un trou, souder un écrou par-dessous pour toujours avoir un filetage. Je vais me débrouiller à modifier ça proprement, ça fonctionnera. C'est le but d'un prototype, c'est que bah je partais d'une base très jolie qui fonctionnait et là je suis en train de la modifier, donc ça va être un peu plus bricolé, mais bon, c'est pas très grave. Et je trouve que ce qui m'est arrivé là, c'est très intéressant parce que ça fait plusieurs mois que je pense à ce montage en double carbu 28. Si je vous dis qu'il fallait que je l'invente là, en fait, dans ma tête, il est prêt. J'ai fait des croquis également. Donc en fait, là, il me restait juste à le mettre en place, donc à fabriquer les pattes, les supports, les tringles. Enfin bon, c'est du boulot, mais dans ma tête, c'était clair et je savais comment faire. Et le fait de se lancer à un moment donné, parce qu'on peut passer des semaines à concevoir des pièces, à essayer de modéliser, voir machin, à un moment donné, il faut se lancer. Et là, je me suis lancé, j'ai fait ma pipe, et au moment où je l'ai installé sur le bloc pour me dire ah, c'est sympa quand même, c'est joli, et j'ai réalisé, je me suis dit mais je suis vraiment débile, c'est pourquoi j'ai pas fait autrement. Mais voilà, c'est une bonne chose, j'ai trouvé une solution encore plus simple que ce que je pensais, donc j'espérais que ça démarre demain, normalement ce soir, pourquoi pas, on démarre, on verra, je vais faire mon possible. Donc voilà, je vais modifier ma pipe. En attendant, j'ai aussi les carburateurs à nettoyer. Allez, voilà, assez de blabla. Puis on se retrouve une fois que ma pipe est modifiée. Vous avez déjà vu un petit peu comment faut faire. Là, je vais faire du bricolage en plus. Donc bon, vous apprendre à faire du bricolage, ça, il n'y a pas besoin de moi. Vous avez largement assez de gars sur internet qui font de la bricole. Donc c'est parti, on continue tout ça. Ça y est, j'ai modifié la pipe d'admission, c'est pas très très beau, mais ça fera l'affaire pour un prototype, c'est parfait. Du coup, en même temps que ça, les carbus étaient en train de se faire nettoyer, je les ai intégralement remontés, ils sont prêts, les deux. Les gicleurs sont identiques à l'intérieur, j'ai monté les plus petits que j'avais, je vous expliquerai tout ça un petit peu après. Et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir passer à l'installation de tout ça dans le moteur. Je vais pouvoir refixer le collecteur d'échappement avec également le collecteur d'admission, et puis on va pouvoir commencer à installer et voir un petit peu ce qu'il va falloir modifier pour faire fonctionner ces deux carbus en synchro. Voilà, il y a un peu de travail encore, donc c'est parti. On va déjà commencer par refixer le collecteur d'échappement. On va juste mettre les deux vis du coin. Et d'ailleurs, avant ça, on va faire une petite modification. J'ai oublié ça, mais on va le faire tout de suite. Donc, avant d'installer tout ça sur le moteur, il y a quand même une petite modif à faire. C'est les épaisseurs de platine qui sont pas les mêmes ici. Et donc, il va falloir ajuster tout ça. Donc là, je vais bien plaquer mon collecteur sur la table. Je vais venir placer mon collecteur d'admission à côté. Donc là déjà, j'ai un endroit où ça vient toucher le collecteur. Bon, là déjà, on est pas mal. Et maintenant, il va falloir s'occuper de cette partie-là où le goujon vient porter à la fois sur le collecteur d'admission et sur le collecteur d'échappement. Pour que ça passe avec les épaisseurs du collecteur en fonte, on était venu souder des cales d'épaisseur sur le collecteur d'échappement directement. Donc bah là, il va falloir ajuster ces cales d'épaisseur pour que ça corresponde, comme là c'est le cas, avec la hauteur du collecteur d'admission. Voilà. Ok, on prend ça. On va d'ailleurs changer le joint de collecteur. Ok. Ça, c'est des joints de collecteur spécifiques au R18 1.4 GTL, je crois bien. Et la spécificité qu'ils ont, c'est que du coup, eh bien, les deux échappements de centraux sont pas reliés, parce que d'origine, dans les collecteurs, c'est relié en un seul tuyau. Et malheureusement, les 4 en 1, eh bien, il y a deux tuyaux. Donc, pour pas que ça communique et que l'évacuation des flux se fasse correctement via le 4 en 1, parce que si on met un 4 en 1, c'est pour que les évacuations se fassent mieux, eh bien, on monte un joint comme celui-là, qui permet de bien séparer les deux conduits. Voilà. Je vais gratter vite fait le plan de joint, parce que a priori, le joint et avec le collecteur fuyait un peu. De toute façon, là, j'ai resurfacé un peu le collecteur d'échappement aussi. De toute façon, a priori, c'est la maladie de ces collecteurs d'échappement. La bride ici est un peu fine. De mémoire, elle fait 8 mm.
Ouais, c'est ça. Et avec la chaleur, elle finit par se déformer un peu. Et c'est connu qu'il faut régulièrement changer les joints de collecteur. Donc là, on le voit, il est cramé. Il n'y a plus de matière ici. Tout est parti. Donc je vais chercher un œuf et après, ça ira mieux. On se retrouve dans mon magasin. De mémoire, j'en ai un autre. Parfait, qui est neuf. On l'installe. Tac. Je crois que c'est comme sur tous les moteurs préparés. Il y a un moment donné, il n'y a plus beaucoup de place dans la baie moteur. Après, eh ben on installe ça. Parfait. J'ai plus de modifications à faire dessus. Donc je crois que je vais mettre toutes les vis et tous les écrous. Ouais, celui-là, on peut pas l'avoir. C'est bien ce qui me semblait. Peut-être pour ça que ça fuyait, c'est que j'avais peut-être pas mis la vis. Ça ne passe pas. Bon, je serre la vis du dessous et on se retrouve après. Donc tout est serré, enfin, et maintenant on va pouvoir installer les carburateurs. On va installer trois choses, deux joints papier et une embase de carbu qui correspond bien sûr au carbu Zenith 28. C'est des embases en bakélite à l'origine qui permettent de séparer le collecteur du carburateur pour éviter une transmission de chaleur trop forte. Évidemment, il faut l'enchapper de deux joints pour éviter les fuites. Et après, on peut placer le carburateur. Sont installés, c'est pas mal. Et du coup, les deux papillons sont bien dans l'axe. Donc là, on a le câble d'accélérateur. Je vais venir le fixer par ici, dans l'axe du papillon, évidemment. Je vais fabriquer par là une patte qui sera reprise, je pense, soit sur le boulon de collecteur d'échappement, soit je vais chercher quelque chose d'intéressant pour pouvoir fixer un système comme à l'origine et puis mettre le câble dans ce premier papillon. Donc l'accélérateur actionnera ce papillon. Et ici, on a un trou qui est fait spécialement pour placer un ressort de rappel sur le carburateur d'origine. Ce que je vais faire, c'est que dans ce trou, je vais passer un petit câble, le coincer et l'envoyer directement sur le deuxième papillon. Ça me permettra d'avoir un réglage puisqu'on a une vis. C'est un peu archaïque et les réglages seront pas top, mais pour un prototype, je pense que ça ira parfaitement. Et donc là où il faut que je me casse un peu la tête, c'est pour trouver où placer le ressort de rappel des carburateurs. Je pense que je vais le fixer sur le deuxième qui ira se mettre dans le tablier ici. Je vais déjà essayer ça avec un ressort de rappel d'origine. Il est un peu trop long, donc je vais le raccourcir. Je vais me faire une boucle qui correspond à la nouvelle longueur. Je pense que là, par là, on est pas mal. Là, c'est rentré. Ça passe ici. Ça passe là. Je vais mettre mon petit support de ressort par ici. On récupère une petite goupille d'origine de 4L. Nickel. Là. Donc là, il y a un premier système, mais le ressort vient taper contre le truc de starter, donc ça va pas, c'est chiant. J'ai fini par trouver un petit système avec les ressorts, donc évidemment j'en ai sacrifié plusieurs pour trouver la bonne solution. Au début je pensais mettre l'attache un petit peu au-dessus comme c'est d'origine, mais au final bien dans l'axe du bras de papillon là, et ben c'est pas mal. J'ai fait un petit trou dans le tablier avec l'attache d'origine là, que j'ai recourbé et qui ressort par un autre trou en dessous, ce qui fait que ça tient bien dans le tablier. Et ici, et ben quand j'actionne le volet, ça revient bien, il n'y a rien qui touche et il y a surtout une assez bonne résistance pour pouvoir ensuite ramener les deux carburateurs. Maintenant, je vais m'occuper de relier les deux carburateurs entre eux avec un petit câble et puis on continue en assemblant tout ça. J'ai récupéré du câble d'accélérateur tout basique, ça pourrait même être du câble à vélo, et j'ai calculé la longueur dont j'avais besoin pour relier les deux carbus. Pour couper le câble proprement, on va utiliser une technique que j'aime bien. On vient mettre le câble dans la pince du poste à souder, on prend le pistolet du poste à souder et on règle ça en puissance maximale, et ensuite on vient souder pile sur le câble à l'endroit où on veut couper. On a donc maintenant un bout de câble parfaitement de la bonne longueur et surtout qui ne s'effiloche pas au bout et qui viendra pas se détériorer avec le temps. C'est une technique que je trouve franchement pas mal. J'ai jamais vu un câble qui vient s'effilocher après ça et ça permet de pas se piquer en plus lors de l'installation et puis ça rentre parfaitement dans tous les logements. Donc maintenant on installe ça sur le carburateur. Alors on va commencer par mettre le câble de ce côté-là. Ça on le fait coulisser correctement, on le laisse sortir
d'une longueur raisonnable. Et après, on peut venir serrer. Donc là, c'est bien enroulé comme à l'origine. J'ai la longueur qu'il faut pour aller à l'autre papillon, le passer dans le trou qui est prévu d'origine pour mettre le ressort, puisque pour l'instant, on garde les papillons d'origine. Alors justement, là, en le mettant, là, je me rends compte d'une crainte que j'avais. J'ai pas assez de débattement pour tirer la totalité du carbu. C'est-à-dire que si le premier carbu est fermé et que je mets ce câble, eh bien, quand je vais abaisser en gardant la même longueur de câble, je me retrouve avec un carbu qui, en fait, ne s'ouvre pas du tout en entier. C'est assez embêtant. Il va falloir, à mon avis, que j'invente un autre système. De toute façon, il faut essayer des choses parce que c'est un montage inédit un peu. Il n'y a pas vraiment de documentation. Les montages en double carbu existent évidemment, mais il faut savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on va essayer autre chose parce que j'ai d'autres choses évidemment. On va peut-être utiliser la deuxième technique que j'ai en tête parce que j'ai quand même acheté des rotules, de la tige filetée pour pouvoir justement relier les deux carburateurs ensemble. Si je mets des rondelles, ça va passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est laisser le carburateur à sa position initiale et on va mesurer la distance entre les deux papillons. Et on a exactement entre les deux papillons 16,5. Donc on va défaire le premier papillon. Donc celui-là, on le garde de côté. Là, pareil, on démonte ça. Le top dans l'histoire, en fait, ça serait de refabriquer des pièces comme celle-là, où on peut placer exactement où on veut chaque élément. Et là, il y aurait les bonnes distances, et surtout, on pourrait faire des choses réglables. Mais bon, c'est beaucoup de travail. On va déjà essayer 2-3 choses, et puis on verra après. Alors, moi, mon idée, c'est que là, c'est le haut du papillon. Le câble, il faut qu'on garde l'enroulement pour le fixer au premier carburateur. Et là, il y a un point de fonderie, donc on va percer à cet endroit-là. Et ensuite, on va venir placer la rotule dedans. On va vérifier sur les deux qu'elles soient parfaitement identiques. C'est le cas. Du coup, les deux carbus vont marcher en synchro. Alors là où est ma crainte, encore une fois, c'est que le mouvement soit trop tiré. Et donc, quand on arrive sur le bas, ça tire pas assez tout le système. Il y a aussi la solution peut-être de les mettre à cet endroit-là, qui du coup est un peu plus sur l'arrière du carburateur, et donc ça devrait tirer un peu plus. Mais on va voir. Déjà, on va percer là. Ça change pas grand-chose à mon système. Donc les deux se fixent comme ça, donc la rotule va aller de ce côté-là. On va du coup mettre des petites rondelles inox autour de ça, et on met l'écrou. Donc, et de une. Donc là, on a nos deux papillons avec la petite biellette qui est prête. Entre nos deux rotules, on doit avoir 16,5, et déjà, on a 1,5, donc on va faire une tige filetée de 13,5. Tac. C'est là où je vous dis que mon système là que je suis en train de faire est pas terrible, parce que pour les régler, je ne vais avoir que des tours complets, donc savoir 1 mm à chaque fois. Et là, ce qu'on veut, c'est que les deux têtes de rotule aient 16,5. On va déjà faire un pré-réglage un peu à l'arrache. Tac. On va essayer de remettre ça correctement. Ouais, voilà. Voilà ma crainte. On va quand même serrer, histoire d'être sûr que ça fonctionne pas. Donc voilà le problème que j'évoquais également avec le câble, c'est exactement la même chose qui se passe ici. Donc là, les deux carbus marchent en synchro au début, c'est parfait. Et par contre, quand on arrive sur la fin, les deux se retrouvent alignés. Et vous voyez, il y a une espèce de mouvement de blocage. Du coup, ça remonte plus. Et en plus, le deuxième n'est pas ouvert à fond. Il va falloir trouver autre chose. Et de toute façon, la seule raison à ce problème, c'est que le point de fixation sur le papillon est trop en avant. Et quand on tire, il se retrouve à l'horizontale. Et en fait, pour que ça fonctionne bien, il faudrait que ça ait un angle qui soit identique autour d'une verticale. Alors que là, on commence déjà là. Et à fond, il est à plat. Enfin voilà, il y a des histoires d'angles à respecter. Là, comme je le craignais, ça ne fonctionne pas du premier coup. Bon, c'est déjà un bon début, hein. Les deux carbus sont presque synchronisés. Mais on a un petit souci sur les hauts régimes. Donc, je vais essayer de résoudre tout ça. Vous savez quoi, j'ai même pas été chercher bien loin, ça fait 5 minutes que j'ai coupé la caméra. J'ai juste déplacé le point d'ancrage des biellettes à l'emplacement du ressort d'origine. Je me suis dit que c'était un point qui devait être pas mal, puisque le ressort, à n'importe quelle position du papillon, il permet de rappeler le volet du carbu. Donc je me suis dit que la position devait être pas mal au niveau des angles justement dont on a parlé. Et effectivement, eh bien maintenant, on a bien le ressort qui est fixé. Et quand j'appuie ici, les deux carbus fonctionnent bien en synchro. Et quand je lâche, ils reviennent, il n'y a pas de blocage.
Et surtout, quand un des carbus est embuté, l'autre est également embuté. Donc en fait, ils fonctionnent parfaitement en synchro. Le seul souci qu'il va y avoir du coup, c'est le réglage ici, puisque pour faire un réglage de la distance entre les deux carbus, le seul moyen, c'est de faire un tour, donc 1 mm. Je pense que c'est pas assez fin comme réglage. La solution aussi qu'il y a, c'est peut-être de donner un coup de marteau ici, qui permettrait de rapprocher plus ou moins l'une des tirettes. Enfin voilà, il y a plusieurs solutions pour faire un réglage qu'on dirait prototype, mais pour la série de kits qui se fera si jamais ça fonctionne bien, je réinventerai un petit système un peu mieux que ça. Mais déjà, je suis très content parce que là, les deux carbus fonctionnent parfaitement en synchro. Donc, ce que je fais tout de suite, c'est fabriquer la pâte juste là, qui va venir, je pense, sur la vis du collecteur pour ensuite venir par là et mettre le câble d'accélérateur. Ça va être pas mal. Donc, j'invente ça et on se retrouve après. Les deux carbus sont montés, l'accélérateur est relié aux deux carbus. Je suis confiant, va falloir faire attention évidemment. Il y a plein de petits détails que je connais vu que j'ai fait le système. Comme tout à l'heure, on a donc un ressort ici. J'en ai rajouté un ici au premier carburateur parce que finalement le ressort est pas assez puissant pour remonter la pédale. Parce qu'il y a le poids de la pédale à ramener aussi. Et il y a les deux carbus à ramener. Enfin bon, le deuxième est mis un petit peu à l'arrache mais ça ira très bien. J'ai mis du coup le câble enroulé autour de la demi-lune. Comme à l'origine en fait, avec un tendeur d'origine. Le câble ensuite va par là et revient à la pédale. Et donc quand j'appuie sur la pédale, eh bien ça vient tirer les deux carbus et ça revient nickel. Étonnamment, comparé au montage en carbu Zenith 32 de R5 GTL que j'ai fait sur ma 4L Daily, eh bien la pédale là-bas est vraiment très très dure. Alors il y a une pompe de reprise à actionner qui est faite avec des joints toriques qui viennent appuyer sur un boisseau, donc forcément ça force un peu. Mais là, le montage, malgré les deux carbus, est plutôt souple. À la main, on arrive largement à l'actionner, donc ça c'est pas mal. Et du coup maintenant, nouvelle grosse étape, il va falloir s'occuper de l'admission de l'air frais des carburateurs. D'origine, on est sur des boîtes à air qui sont rondes, qui viennent se fixer sur le dessus du carbu. Ici, évidemment, une boîte à air sur chaque carbu, eh bien, ça ne rentre pas sous le capot. Et ça tombe bien, parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Ici, on est sur une 4L prototype. Le radiateur de refroidissement moteur se trouve dans le coffre. Ce qui veut dire que derrière la calandre, une fois que le capot est fermé, eh bien, il n'y a que de l'air frais qui arrive dans le moteur. Et donc, j'ai envie d'essayer une admission directe. Et donc, quand je vous dis admission directe, on va monter des cornets, mal aussi. De ce que j'ai compris, c'est des cornets qui sont courants monté sur les moteurs de scooter. Alors ça paraît ridicule comme ça, mais faut pas oublier qu'un carburateur de diamètre 28, c'est des carburateurs qui sont couramment montés sur des mobilettes, donc forcément on peut trouver quelques pièces de ce côté là et du coup évidemment, eh bien j'en ai acheté deux. Ça va me permettre de mettre ça directement sur le carburateur. Alors j'ai envie quand même de remercier rrdpréparation.com. ils sont pas partenaires du proto en l'occurrence, mais j'ai commandé les cornets chez eux et malgré un délai annoncé de plus de 3 semaines, quand je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer ça très très rapidement, ils ont pu m'envoyer ça sous quelques jours. Donc un grand merci à eux, parce que aujourd'hui la 4L démarre et je les ai reçus hier. Donc c'est pas tout, mais c'est corné. Ils vont venir se placer comme ça. Alors c'est un carbu 28 au pied, mais à l'extérieur ici c'est du diamètre 38. J'ai donc acheté un cornet en diamètre 38 qui va venir se monter comme ceci. À première vue, bon ça fait un petit style course, mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est que pour optimiser les flux, il faut que le cornet il aspire le maximum d'air frais. Donc ce que je ferai, c'est que derrière la calandre à ce niveau là, je vais mettre deux boas. Et donc quand on roulera, l'air va s'engouffrer dans ces boas et va venir rentrer dans les cornets. Sur ces cornets, je ne mettrai rien de plus que ce qui est déjà. La petite grille ici est pas mal du tout. On pourrait croire que ça limite les flux, mais finalement, en proportion au niveau du diamètre, eh bien le diamètre ici tient compte de la surface qu'occupe la grille. Donc finalement, si vous respirez comme ça à l'arrêt et que vous prenez ça dans votre bouche, il n'y a aucune différence de flux. J'ai pas plus de mal à respirer avec ça que sans ça. Donc je pense qu'on sera pas mal. Et c'est là où on va légèrement l'optimiser. Donc les cornets sont donc montés comme ça. Et ce qu'on voit dessous ici, c'est tout le collecteur d'échappement. Ça, ça va générer énormément de chaleur, le moteur y compris. Et donc je vais me faire une plaque en aluminium ovale qui va recouvrir les deux carburateurs. Et donc de cette plaque ovale, qui va épouser le tour de l'entrée des carburateurs ici, va sortir les deux cornets. Et donc la plaque en aluminium va faire une espèce de séparation entre la partie chaude du moteur et la partie haute du capot, qui sera un peu plus fraîche puisque l'air va venir s'engouffrer
frais par là et en plus aidé par les boas, ça fera quelque chose d'un peu plus joli je pense aussi, mais normalement ça améliorera la température de l'air qui va entrer dans les deux carbus. Voilà le projet, je dois avoir par là dans mon bazar une tôle d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, ça va être parfait, je vais tracer tout ce qu'il faut là-dessus et après je passe à la découpe. Allez c'est parti. C'est un nouveau jour, hier soir j'ai terminé d'installer la plaque par charleur et gestion des flux, on va appeler ça comme ça, c'est magnifique. Et ce matin, j'ai profité de devoir faire quelques courses pour aller faire monter les pneus sur les jantes. C'est des jantes que j'ai élargies dans un des derniers épisodes de la remise en route du proto. J'ai tout fait moi-même et je suis content parce que la jante la plus déséquilibrée a 60 grammes de plomb. Donc franchement ça reste tout à fait raisonnable et en plus on s'est arrangé pour que ce soit une roue arrière. Comme ça au moins on la sentira pas dans la direction. C'est donc des jantes que j'ai élargies et j'ai fait en sorte que à l'extérieur ça ait le même look que des jantes Fairgate en 5,5 pouces qui étaient montées sur les R5 Alpine Coupe. Donc avant de continuer sur le carburateur, on va les installer. Ça fait des semaines que j'en rêve, les pneus, ça fait des semaines que je les ai en stock et que je les regarde. Donc là, je me fais le petit kiff et on va voir un peu ce que ça donne. Ah oui, puis je me suis permis ce matin, au lever du soleil, de mettre un petit coup de peinture noire sur les écrous de roue. Au moins, ça ferait une finition propre avec ces belles jantes qu'on va installer sur la belle 4L. Je peux pas pour l'instant vraiment la poser au sol parce qu'il n'y a pas les amortisseurs à l'avant. Ils sont encore en réfection mais normalement ce soir ou demain ça devrait être bon. Tout se goupille très très bien aujourd'hui. C'est vraiment une top journée. Alors les pneus, on est sur du 155-65 R13. C'est des pneus qui vont correspondre à peu près en termes de diamètre extérieur à des 145-70 R13. Mais le pneu Nankang a un flanc qui est vraiment très épais et la jante, vous voyez qu'elle est en retrait par rapport au pneu. Et donc ça la fait sortir encore plus. Donc quand on regarde du le pneu il est vraiment affleurant, donc faut pas plus large à mon avis. Et quand on regarde devant, ça dépasse vraiment de l'aile. J'avais peur que ça fasse un peu jante de remorque. Et là ça fait des jantes magnifiques. Et le look final est monstrueux. Donc voilà pour ça, il n'y a plus qu'à continuer. C'est bien de se faire plaisir en montant des jolies jantes. Mais à un moment donné, c'est pas encore démarré la 4L parce que j'ai pas encore fait le circuit d'essence. Donc je m'occupe de ça, j'ai la dépression à brancher aussi. Et puis après on sera pas mal je crois. Bon tout ça c'est très très beau mais on démonte tout. Allez, alors déjà les deux cornets, je vais essayer de rien abîmer évidemment. J'ai une petite modif à faire aussi sur les trous, je les ai pas percés assez grands. Et en vissant la plaque là ça met en contrainte les carburateurs donc c'est pas terrible. Hop là. Et on retrouve notre magnifique montage. Quand il sera fini, je vais en avoir passé du temps là-dessus. On va pouvoir inventer le système d'essence. Alors j'ai acheté un petit thé en laiton qui va me permettre de distribuer le carburant. Donc normalement ça va se brancher comme ça. Je peux le faire passer là, c'est pas con ça. Alors pour l'instant ma durite c'est une 6 mm. Mais je pense que c'est suffisant. Dans la mesure où c'est des petits carburateurs encore. Mais à l'avenir si on met des choses plus grosses ou quoi, on verra. C'est ce qui devrait arriver normalement. Je passerai en durite un peu plus grosse. Mais il faudra que je refasse l'intégralité du circuit d'essence, mais voilà, pour l'instant ça devrait le faire. Et après il va me falloir 4 colliers, j'espère que j'en ai assez. Et j'en ai tout pile 4. Alors ma durite, là le bout de tuyau va vraiment être court hein. L'avantage de la durite là en silicone c'est qu'elle est très souple. Je sais pas trop s'il faudrait pas que les tuyaux depuis le T soient de la même longueur. Pour qu'il y ait une répartition égale de l'essence, on verra. De toute façon j'ai de la durite en rab. Franchement c'est pas mal hein. Ça, je sais pas trop par où le faire passer. On va le faire passer là.
là, là-dessous, là, je peux mettre ça là. C'est pas mal comme ça, au moins il n'y a pas de tuyaux partout devant là. On va faire ça propre. Pour l'instant, le seul problème que j'ai trouvé de mon montage, c'est que le support du câble est pas tout à fait dans l'axe. Ça a tendance à se barrer. C'est pas grave. Ça on est bon, ça on est bon. Ça c'est attaché, ça c'est attaché. Là. Et on va la couper par là. Après, ce qui me surprend assez, c'est que c'est la durite d'orniflard, mais dedans, elle est pas grasse. Donc en fait, le moteur, il refoule très peu de gaz et de vapeur par le cache-culbut. Donc j'ai envie de dire que c'est pas mal. C'est déjà bon signe. Il n'y a pas de surpression dans le bloc. Pour l'instant, je m'occupe pas des systèmes de starter. Si ça veut pas démarrer, je viendrai mettre ça à la main. Donc après, on va pouvoir refaire la plaque qui était pas tout à fait bien. Maintenant, je vais aller voir un truc. Je me demande si j'ai pas une chute d'isolant et qui permettrait de séparer un petit peu la température de l'admission et du décarburateur. Je crois qu'il m'en reste un petit peu, je vais voir. J'avais dû garder une chute là qui m'avait pas servi. Eh, c'est pas beau ça ? Putain, c'est parfait ça. Allez, là, parfait. Hop là ! Ça marche. Vive le cancer, mais ça marche. Honnêtement, c'est parfait. Je suis très content. Bon, maintenant, je vais réinstaller le système de réservoir d'essence. Alors, c'est plus compliqué que ce qu'on le pense. Dans la première vidéo de cette nouvelle saison, on avait démonté l'ensemble des cloisonnements à l'arrière qui permettent de guider les flux dans le radiateur, mais qui font aussi cloison pare-feu et qui du coup englobent le réservoir. Évidemment, les durites, elles passent à travers les cloisonnements, tout ça, donc j'ai pas envie de faire un montage à blanc des durites pour ensuite tout redémonter parce que c'est assez chiant à faire. Donc je vais faire ça directement, et depuis que je les ai démontées, j'ai fignolé les tôles et surtout elles ont été peintes en noir. Donc ça, c'est la tôle qu'il va falloir installer en premier puisqu'elle va juste derrière le réservoir. Et la pièce d'orfèvrerie qu'il va falloir installer, c'est la boîte qui cache le réservoir, qui est étanche et qui permet d'accéder par le couvercle au réservoir à l'intérieur. Alors, l'intérieur est clair, comme ça quand on ouvre et qu'on accède au réservoir, bah c'est pas trop sombre, ça renverra un peu plus de lumière. Et du coup, l'extérieur est noir, sobre, comme ça, ça se fond dans l'arceau, dans le châssis et dans tous les cloisonnements. Mais voilà, il faut que je réinstalle tout ça. Évidemment, il n'y a pas vraiment de place pour vous montrer quoi que ce soit. En plus, là, elle est sur le pont et pour tourner autour, c'est pas facile. Donc, je fais ça hors caméra. Et puis, normalement, on se retrouve une fois que c'est prêt à démarrer. Ouais, ça devrait être ça. Allez, à tout de suite. C'est toujours pas le moment de démarrer. La durite qui part de la pompe à essence et qui vient au pré-filtre, eh ben, elle est trop courte maintenant, je sais pas pourquoi. Donc je vais arrêter de m'embêter et là, j'attends que le magasin il ouvre. Donc, en attendant, je vais réinstaller l'arceau. Voilà, on va passer au démarrage des 4L. J'ai dit des 4L parce qu'il y a deux carbus, mais en fait c'est démarrage de la 4L. On va vérifier le niveau d'huile, on est bon, tout est neuf. L'eau, on verra juste après. Déjà, on va essayer de démarrer. Pour ça, faut mettre un peu d'essence dans le réservoir. Donc, ce bidon, c'est génial. On appelle ça un Tough Jug, mais en fait, c'est une marque. Et c'est un bidon où quand on appuie, ça vient vider l'essence. Et surtout, ça déborde jamais. Donc quand on le retourne, ça coule pas. Et quand on vient appuyer dans le réservoir, même si le bidon était plein, eh ben, ça déborderait jamais. Et c'est un remplissage hyper rapide. Là, j'ai rien à faire. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va mettre en pression le circuit d'essence. Évidemment, on branche la batterie. Là, je vais me faire un peu de place, faut que je puisse accéder au coupe-circuit. Maintenant, pompe à essence. Ça va remplir les carbus. Là, on a bien 0,3 bar. Ok, on est bon. Tac, la pompe, on la coupe. Maintenant, je mets le contact. Du coup, ça va pas démarrer. La pression est bonne. Pompe à essence. Bon, ça démarre carrément bien. Oh là 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 là. Donc on coupe tout. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais il y a eu un geyser de liquide de refroidissement. Donc là, je rebranche le circuit d'eau pour éviter que justement ça regicle partout. Je fignole, je monte l'échappement parce que ça pareil, là ça crache là, donc c'est débile pour l'instant. Allez, je fais ça et on se retrouve après.
Je me permets pendant ce remontage final un petit instant promo. J'ai réinstallé la tringle de levier de vitesse avec le kit de rotule de levier de vitesse made for elle. C'est donc un kit plug and play que vous pouvez installer en 5 minutes qui se compose de deux rondelles en polymère résistantes à la chaleur, à l'érosion, à tout ça. Et dedans là vous avez une rotule uniball, c'est le modèle performance. Il existe aussi le modèle standard avec une rotule polymère également. C'est résistant à la poussière et à l'eau et un simple petit nettoyage suffit pour l'entretenir. Mais je conseille quand même de mettre une petite goutte d'huile de temps en temps, ça fait jamais trop de mal à la rotule. Et donc ce kit y permet de supprimer le jeu au niveau de la tringle de levier de vitesse, ce qui fait que le passage des vitesses est bien plus précis. Et pour avoir fait plus de 30 000 km avec ce modèle, je vous assure que c'est un vrai régal. Et même pendant la course de 24 heures sur le proto, on avait ça, celle qui est installée là. Malgré le sable et l'utilisation intensive, elle est nickel, ça a pas bougé. Un petit coup de nettoyage et c'est reparti pour des années. Voilà, maintenant on va passer à l'installation évidemment de la ligne d'échappement. C'est une ligne d'échappement que j'ai fabriquée l'année dernière lors de la mise en place de la 4L Proto. Et au bout se trouve une sortie conique made for elle. C'est des sorties coniques qui sont inspirées de celles des R5 Alpine qu'on pouvait trouver à l'époque. Et c'est prêt à souder au bout de votre ligne d'échappement. On retrouve le bruit si caractéristique de l'époque. Alors ici, vous vous doutez bien que j'ai nettoyé tout ça. C'était bien dégueulasse. J'ai même repassé un coup de polissage sur la sortie d'échappement. Parce qu'avec les petits gravillons, bah, ça l'avait bien sablé, on va dire. Mais ça reste de l'inox, donc c'est solide. J'ai également décollé l'autocollant qui était vraiment abîmé. Et on va pouvoir en remettre un neuf. Mais globalement, vous inquiétez pas, vous aurez pas à le changer tous les 4 matins. Le trafic, ça fait presque 2 ans maintenant que l'autocollant est dessus. Je roule régulièrement avec. Il a aucun problème. Et l'autocollant du proto était abîmé parce qu'évidemment, on a fait de la bouillasse et des cailloux pendant 1000 km pendant 24 heures à fond. Et elle est vraiment mal placée, entre guillemets, pour les projections. Donc voilà, elle s'en est pris plein la figure pendant 24 heures. Donc on peut pas lui en vouloir d'avoir besoin d'une petite restauration. Il est temps d'essayer de démarrer à nouveau la 4L. J'enlève les starters cette fois-ci parce que je pense que c'est ça qui a fait que c'est monté très haut dans les tours. Et puis c'est parti, on va voir ce que ça donne. Putain. Alors là, c'est une bagnole de course. Je vous fais un petit retour à blanc, à sec comme ça, sur les 6 landblocks qui sont montés sur le moteur. Dans toute la caisse, ça vibre de partout, le moteur est hyper rigide. C'est ce que je veux pour une bagnole de course, mais c'est hyper impressionnant. Un grand merci véhicule ancien pour ces 6 landblocks Shore 80 qui peuvent s'apparenter à des 6 landblocks en polyuréthane. On les a installés dans l'épisode précédent et waouh, là ça c'est rigide, là ça commence à causer. Bon, allez, la table est encore pleine de petits bidules qui vont à droite à gauche, là ça démarre. Mais bon, je pense qu'on peut fermer. J'ai essayé de faire un premier réglage des carburateurs, c'est vraiment pas facile à synchroniser. Et c'est justement ce qu'il va falloir faire maintenant. C'est-à-dire qu'il va falloir que les deux carbus aspirent exactement le même volume d'air et que les papillons soient parfaitement synchronisés. C'est la clé pour que ça fonctionne aux petits oignons. Mais ça, ça va vraiment être compliqué. Déjà parce que ma tige filetée, comme je vous l'ai dit, elle est pas réglable au poil de cul près. Et ensuite, c'est des carbus qui ont jamais été prévus pour ça. Donc il y a rien qui est facilité en gros. Après, pour l'instant, les carburateurs, ils sont montés avec des gicleurs qui sont 100% d'origine pour une 4L. Comment j'ai calculé ça? Quand on monte un double carbu comme ça, il est dit que il faut monter des gicleurs qui sont 30% plus petits que ce qui était monté avant, et ça permet normalement de compenser, parce qu'en fait les carbus vont mieux distribuer l'air et l'essence dans les cylindres vu qu'ils sont deux fois plus nombreux, donc on réduit de 30% et pas de 50%. Et là, c'est techniquement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai monté des gicleurs 100% d'origine, mais tout en sachant que avant, le carburateur qui était monté sur le proto était un carburateur modifié qui avait été réglé au banc pour la course des 24 heures 4L. C'est grâce aussi à ce réglage qu'on avait pu sortir 45 chevaux initialement sur ce moteur. Et donc, bah, je me suis basé sur mes valeurs de gicleur du carbu du proto, vu que je monte deux carbus sur le même moteur. Et après, j'ai aussi légèrement enrichi par rapport à ce premier calcul, parce que mes carburateurs ne vont plus avoir de filtre à air, et donc techniquement, on va y avoir plus d'air qui va rentrer pour une même aspiration, et donc un peu plus d'essence. Maintenant que je suis rassuré que ça démarre, qu'a priori tout va bien, on va finir de remonter la 4L, en tout cas toute la
la partie avant. J'ai les pare-chocs à remonter, la traverse avant également, qu'on a refaite dans le premier épisode. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. On continue, et de toute façon, à la fin de cette vidéo, la 4L, elle tournera aux petits oignons, et il y aura même eu un passage au banc pour voir combien ça sort, mais aussi affiner les réglages. Aujourd'hui est un nouveau jour, il y a encore pas mal de choses à faire et on va commencer tranquille par modifier le bandeau qui est sous le pare-brise. J'ai récupéré le bandeau originel avec la grille. J'avais modifié ça avant la course parce qu'à la place du chauffage dans la voiture, j'ai mis tout le tableau électrique de la voiture avec les fusibles, les relais et tout ça. Et par le trou qui est à cet endroit là, l'eau venait s'infiltrer donc ça me plaisait pas. Donc j'avais rapidement fait une tôle noire avec 4 vis histoire que ça tienne bien. Mais ça me plaît pas trop, ça fait pas 4L alors que ça, ça fait 4L. Et je pense qu'il y a moyen d'adapter ça sur le système que j'ai fait avec les vis, puisque il n'y a plus les systèmes de clips qui sont disponibles. Donc je vais essayer de gérer ça et puis on verra ce que ça dit. Au pire, je remets celle-là. Accompli, le bandeau est remonté. Alors c'est plus du tout fonctionnel, de toute façon il n'y a plus d'entrée d'air pas cet endroit là, avec les portières, avec le grillage, ça suffit largement, mais au moins c'est plus joli, ça fait plus 4L d'origine et c'est ce que je recherche. Je veux pas un truc qui fasse bricoler partout. Alors les vis sont un petit peu grosses, je vais voir si je peux pas peindre peut-être la tête en noir ou mettre des vis noires, je verrai, mais déjà c'est pas mal. Bon, maintenant on va pouvoir s'attaquer à un truc très sympa. J'ai récupéré les amortisseurs de la 4L. Il n'y a pas grand chose qui change, mis à part que on a réinstallé un ressort autour de l'amortisseur. Et grâce à ça, normalement, on va pouvoir virer les barres de torsion de la 4L et avoir un amortissement aux petits oignons, et surtout qu'on va pouvoir régler très finement. Alors pour l'instant, c'est encore en phase de prototypage, entre guillemets. Il va falloir un peu de temps pour trouver les bons réglages. Là, on va déjà tester un premier jeu de ressort, et si jamais ça va pas, il va falloir que je change les ressorts. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails ici, parce que c'est pas mon métier, c'est un secteur qui est vraiment complexe. Et Sébastien, dont c'est le métier, me donne quelques conseils, mais je suis très loin de pouvoir vous l'expliquer clairement. Donc je vais les installer, je vais faire mes petits réglages, et puis on se retrouve une fois que ça va ou une fois que ça va pas. Les amortisseurs, ils sont réglables en 3 voies et en plus on peut changer la dureté des ressorts. Donc niveau réglage, il y a de quoi faire. Là déjà tout est serré, tout est monté. Il y a déjà un réglage de base qui a été fait. Donc normalement, eh ben, il n'y a plus qu'à aller s'amuser. Mais avant ça, il reste des choses à faire. Bon, tant qu'on est sur de l'esthétique et du pratique, je vais m'occuper des attaches capot à l'avant. Elles sont carrément défoncées. J'avais fait un système de goupilles dans les charnières d'origine, mais vu que ma traverse était découpée, c'était pas tout à fait aligné. Donc à un moment donné, on n'a plus pu mettre ces goupilles et donc on s'est basé que sur les attaches capot qui étaient sur le capot pour fermer le capot. Mine de rien, c'était pas mal qu'elles soient obligatoires parce que sinon on aurait eu quelques soucis pour que le capot tienne en place. Sauf que comme j'avais pas prévu ces attaches pour qu'elles fassent du guidage du capot, elles se sont complètement déchirées de partout et les tiges également qui viennent tenir ce capot ont bien souffert. Les filetages sont morts, il y a des boulons qui sont partis, donc je ne peux plus m'en servir. Et en plus c'est de l'aluminium, et donc pour serrer ça c'est une vraie merde. Je sais même pas pourquoi ça existe. Et donc j'ai été il y a pas très longtemps sur un circuit, il y avait une petite bourse d'échange, et j'ai trouvé le même système, mais cette fois-ci c'est en inox. Donc on va pouvoir le serrer, ça va pas rouiller, ça va être beaucoup plus résistant. C'est exactement les mêmes tailles, donc je vais pas avoir de trous à repercer ou quoi que ce soit. C'est juste un échange standard, et on va voir si avec ça, ça suffit pour tenir le capot. Mais j'ai un petit doute. Là. Bon, bah ça on est bon.
va être temps de passer au réglage des carburateurs. La première chose à faire lorsqu'on règle deux carburateurs qui fonctionnent indépendamment, qui sont pas reliés aux 4 cylindres, c'est la synchronicité, c'est-à-dire qu'il faut que le volume d'air qui entre par l'un des carbus soit strictement identique de l'autre côté. Et pour ça, on va utiliser une rampe avec des manomètres de pression, et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la dépression dans notre cas. Et donc, et ben là-dessus, on va venir brancher des tuyaux, et ces tuyaux-là, on va venir ensuite les brancher au pied du carburateur. L'avantage sur la 4L, c'est qu'il y a déjà des prises prévues pour brancher une dépression qui d'origine va à l'allumeur. Ce kit est fait pour régler 4 cylindres en même temps, donc 4 carburateurs différents. C'est pas mal sur les motos, pour l'instant on a que 2 carbus sur la 4L, ça sera déjà amplement suffisant, mais ça peut aussi servir dans le cas où on a 2 carbus double corps et qui crachent chacun dans un cylindre. Ça, c'est un kit que j'ai payé vraiment pas cher sur AliExpress, une 40aine d'euros je crois pour tout ça. Il y a plein d'accessoires en plus, et sinon il y a d'autres modèles qui existent, mais ils sont au moins 2 fois plus chers pour ne pouvoir mesurer qu'un seul carburateur en même temps. Alors techniquement on s'en fiche, mais bon, là c'est pas cher et pour commencer ça ira très bien. Bon allez, je me motive. Déjà, je vais commencer par légèrement modifier mon système de tringlerie au niveau des papillons. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, mon système avec la tige filetée là est pas tellement réglable. Donc je vais fabriquer un autre système en gardant les mêmes morceaux. Et là, j'ai une petite idée qui devrait être beaucoup mieux. Donc voilà le système actuel. On a les deux rotules qui viennent se mettre sur les deux basculeurs des papillons des carbus. Et après, on a une tige filetée entre les deux. Ce qui fait que si je veux changer la distance entre les deux rotules, mon seul moyen est de faire tourner la rotule d'un tour pour que ça se retrouve toujours dans le même axe que l'autre rotule. Voilà mon montage après un petit peu d'ingénierie. On a toujours une tige filetée au milieu et du coup ici on a deux manchons qui sont filetés et on se retrouve avec les rotules qui sont dans l'autre sens. Ce qui fait que si on vient desserrer même un tout petit peu cette tige filetée, eh bien la rotule peut tourner librement dans cette tête et ça vient écarter ou rapprocher les deux papillons du carbu. Donc c'est parfait, et en plus le corps ici étant un petit peu plus long, eh bien on vient se déporter des pattes des carburateurs qui avaient des formes un petit peu spécifiques qui faisaient qu'il fallait que je mette 36 rondelles pour bien déporter le truc, et là ça va être nickel. Alors voici la nouvelle version de la tringlerie des carburateurs. J'ai ajouté une tige filetée pas à gauche d'un côté, avec un manchon ici pas à gauche pas à droite, ce qui fait que quand on visse le manchon ou qu'on le dévisse, on vient écarter ou rapprocher les deux rotules, et donc ça je vais pouvoir le remonter directement sur la voiture, et avec ça on va pouvoir avoir un réglage hyper précis. Alors du coup là je vais brancher les deux dépressiomètres, et donc là avec la nouvelle tirette et ses manomètres, on devrait pouvoir synchroniser les deux carburateurs nickel chrome. Cette synchronicité elle est impérative, parce qu'en fait quand on va accélérer, s'il y a un carbu qui donne moins que l'autre, c'est lui qui va brider la totalité du moteur, et tant que les deux carbus seront pas parfaitement synchronisés, ça ne pourra pas bien fonctionner. Voilà. Petit update, ça fait, je pense 3 heures que j'ai pas allumé la caméra. On s'est bien pris la tête parce qu'on s'y a mis à deux quand même pour régler les carbus. Et je trouve pas ça impeccable. Je me faisais pas de soucis là-dessus, je savais que ça allait être une vraie galère. Les manomètres de dépression, ça fonctionne, mais c'est hyper galère à régler. Parce qu'évidemment, les carburateurs que j'utilise ne sont pas faits du tout pour être montés en double carbu comme ça. Donc c'est très compliqué de les synchroniser proprement. Mais on a quand même fini par trouver un réglage à peu près anarchique. Je vous expliquerai pas comment on a fait parce que c'est un bordel monstrueux. Je pense qu'en plus, à force de re-régler, de revérifier tout ça, j'apprendrai un peu mieux à le faire et je comprendrai. Mais voilà, là c'est le bordel. Par contre, petite astuce qu'on a faite, c'est que des carbus simple corps comme ça, techniquement, il faudrait les équilibrer au niveau des pipes d'admission. Alors soit on met un tube entre les deux pipes d'admission pour équilibrer les pressions, soit on se démerde autrement. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre la dépression qui va à l'allumeur, la mettre sur un T et relier tout ça avec deux durites exactement de la même longueur. Bon, là je vous dis un petit peu de la merde. L'histoire de relier les deux parties de la pipe d'admission entre elles, c'est pas totalement faux. Et c'est même d'ailleurs ce qui est fait en exagérant sur des carburateurs double corps qui crachent pour les 4 cylindres, mais avec du recul, c'est comme monter un gros carburateur simple corps qui crache pour les 4 cylindres. Ici donc, j'ai pris le parti de ne pas relier ces deux parties de la pipe d'admission. Et donc mon histoire de relier la dépression de l'allumeur aux deux carburateurs via un T, eh ben c'est pas vraiment utile. Sachant que mes deux carbus sont synchronisés,
synchronisé, normalement il marche de concert. Donc cette pauvre double dépression, elle sert à rien du tout, si ce n'est peut-être à perturber complètement l'allumeur, puisque les dépressions vont peut-être s'ajouter au niveau de la membrane de l'allumeur. Et ici donc la solution pour laquelle j'ai opté, c'est de simplement m'affranchir de cette dépression. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo où je vous présente en détail le montage de l'allumeur électronique 1-2-3 Ignition qui est installé actuellement sur le proto, et bien avec des montages un peu sportifs avec des gros carburateurs, on s'affranchit souvent de ce système d'avance à dépression. Et donc si vous voulez un peu plus de détails, et bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est déjà sortie à ce sujet. Ça va être ici compliqué de vous le résumer mieux que par c'est totalement inutile dans mon cas, et donc j'ai fini par tout virer. Donc le moteur tourne, ça marche plutôt pas mal. Quand on accélère, ça tourne plutôt rond. Donc maintenant, je vais finir de remonter les petites choses sur la 4L à droite à gauche, finir de nettoyer l'intérieur, finir de remonter l'intérieur avec les tôles, le siège, des petites finitions à l'arrière de la 4L également au niveau du coffre, et puis on se retrouve ensuite pour les premiers tours de roue. Ça annonce quand même du bon, donc je suis très content, mais il y a encore un petit peu de travail. Vous savez quoi ? Et bien la 4L, elle est prête ! J'ai fait une grosse ellipse, je me suis occupé de plein de petits détails sur la 4L et là elle est enfin prête pour aller sur la piste. Alors je vais reprendre ma petite liste des derniers petits détails que j'ai fait. J'ai donc fait un parallélisme, les roues étaient complètement déréglées. Donc là on est bien réglé, tout est à zéro, ça va être parfait. Ensuite, tac, j'ai mis des petits ressorts en bas de capot pour bien me tenir. J'ai réinstallé les garde-boue aussi, parce que malheureusement ce week-end à Manicourt il va pleuvoir, donc on va éviter de sulfater l'intérieur du capot, parce que comme les carbus en plus sont en prise directe et sans filtre, j'ai pas envie qu'ils aspirent du karcher. Ensuite j'ai également remonté les amortisseurs, je les ai réglés, j'ai même changé les ressorts. Le premier jeu de ressorts que j'avais installé était a priori un peu trop raide. Après, autre détail, je me suis occupé des starters des carburateurs, parce que malheureusement pour démarrer j'ai un tout petit peu besoin de starters quand il fait un petit peu frais. Donc pour l'instant j'ai fait un système D, il y a un starter par carburateur, ça fonctionne très très bien. J'ai également fini de coller quelques petits stickers qui pouvaient manquer sur la voiture. Pareil dans le coffre, je me suis fait mon petit musée des petits événements auxquels je vais participer. Également au-dessus du pare-brise, on retrouve mon ticket d'entrée pour les Classic Days à Manicourt ce week-end. Et pour peaufiner tout ça, vous l'aviez vu dans la course des 24h 4L, le cache sous-volant avait été arraché par Sébastien pour une intervention un petit peu rapide sur les supports du volant qui s'était arraché. Tout ça on en a parlé dans la première vidéo de la remise en état du proto. On a vu que tout était défoncé, la colonne de direction fissurée et tout. J'avais tout réparé et donc bah j'ai pu remettre le cache en plastique propre. Ça sert à rien mais ça finit bien. Donc voilà, maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir démarrer la bête, parce que c'est pas tout qu'elle soit belle, l'essentiel c'est qu'elle démarre. Ah oui, et puis merci mémé pour les petits pochons qui permettent de protéger les carburateurs comme il n'y a pas de filtre. Quand je l'arrête, je mets ça et ça évite que les poussières tombent dedans, que l'humidité rentre à l'intérieur du moteur aussi. Au moins on est tranquille. Si ça c'est pas du démarrage au quart de tour, moi je m'y connais pas. Bon évidemment ce système de starter c'est un petit peu empirique. Et en plus comme on en a parlé dans la vidéo, les papillons ont du jeu. Et donc voilà pourquoi le ralenti passe son temps à changer. C'est le papillon en vibrant, ça fait une entrée d'air qui fait augmenter le régime. Donc ça c'est pas terrible, mais j'essayerai de trouver une solution pour l'avenir. Là ce qui compte c'est que quand elle est chaude, ça tourne nickel. Donc c'est parfait. Thank you.
arbre à cam, il est donné pour 36 degrés d'avance au régime. Okay. Et moi, comme j'avais eu peur, parce que ce moteur, je l'ai vachement comprimé par rapport à l'origine, j'avais mis 30 degrés. D'accord. Mais sur mon autre 4L, là où il y avait la courbe d'avant, j'ai mis 36 degrés et j'ai pas de problème particulier. Sur un tiers, on va pas faire un trou dans le piston. Hein. Donc là, je rajoute, par exemple, là, je mets 30. Ouais, essaye d'en mettre un peu plus ici, ouais. À 2002, peut-être pas trop bouger, mais 2005, 3000, peut-être commencer à bouger de 3 degrés, quoi. Je peux mettre 31 et du coup au régime à 4000 je peux rajouter un petit peu plus, 33 peut-être déjà pour essayer. Ouais, et à 5,5 tu peux commencer peut-être à baisser un peu. J'ai redescendu à 6000. Ouais, essaye, voilà, 6000. Là on a mis 3 degrés de plus en gros à haut régime, on va voir ce que ça donne. 33 alors. 33 ouais. Donc là on a fait 3 tirs, donc un avec la même avance que ce qu'il y avait avant, donc avec le montage en simple carbu 28, comme on avait fait pour la course des 24h 4L. On a testé aussi en faisant un peu plus d'avance, 3 degrés de plus. Pour l'instant ça donne rien de plus, elle ratatouille, a priori a fait un petit peu de cliquetis vers 6000, donc c'est pas bon. Donc là il y a différentes possibilités, soit elle est trop pauvre et c'est ce qu'on va vérifier maintenant, avec la couleur des bougies parce qu'on n'a pas de son de lambda malheureusement. Ou alors le montage n'accepte pas plus d'avance tout simplement. Mais il y a quand même des pistes à creuser parce que on a une tubulure d'admission qui est plus courte, deux carbus qui devraient mieux gaver. Après, il y a quand même du résultat, on a 3 chevaux de plus par rapport à un seul carbu, donc quand même. Mais voilà, on va regarder ça. Donc on vient de démonter une première bougie, elle est hyper blanche, donc ça veut dire que c'est très très pauvre. Donc on va pouvoir bien augmenter les diamètres, et du coup, du fait que ça sorte pas de puissance, ça peut carrément s'expliquer par ça. Donc on va déjà essayer de mettre un peu plus d'essence, et ça peut expliquer plein de choses, notamment le petit cliquetis à 6000, et voilà, le manque de puissance, entre guillemets, même si déjà 45 chevaux c'est pas mal, mais on devrait pouvoir faire mieux. Donc là, on démonte les deux carbus et on va changer les gicleurs principaux pour enrichir. Alors on n'est pas beaucoup trop pauvre, on est sur une bougie qui a une couleur qui est pas trop mal, mais pour un usage circuit où on va beaucoup dans les tours et tout, on va assurer la méthode en mettant un petit peu plus de richesse. On était sur des gicleurs de 90, donc des gicleurs d'origine, des gicleurs principaux, et on passe sur du 100, donc 10% de plus. Ça devrait suffire déjà pour commencer. Test 7, 44, 64 et on est parti à 42, tu vois, on était le test 2, ouais, c'était le premier, 42, 44, 64, le couple c'est pareil, par contre tu vois en bas on a perdu. Le fait de grossir les gicleurs, c'est en bas, elle est gavée. Donc ça c'est la déduction avec les pertes. Et d'accord, quand ça fait un calcul de pertes, là-dessus il y a très peu de pertes, ça fausse un peu le truc. La puissance roue, elle a changé. 42, c'est 39. 39, oui quand même. Il y a quand même 3 chevaux de plus là. 3-4 chevaux au même endroit quoi. La plage elle est plus intéressante. Ouais. Toucher un peu les avances ici et le gicleur de ralenti. Donc là je fais au niveau des avances du coup. Je vais essayer d'en envoyer un tout petit peu plus entre 4500 et 5500-6000. Bon, en fait c'est à partir de là. À partir là, de 4 et quelques. Donc à partir de 4000 je peux mettre 33 comme on avait fait pour voir. Et pareil en suivant à 5000 et je laisse chuter à 1000. On essaye comme ça. Ouais, allez, super. Putain, 46. Là, c'est bien. Au-dessus partout et en bas. Là, effectivement, par rapport à la première courbe, il y a toujours un tout petit peu moins de couple et moins de truc en bas. Donc, ça va agir sur le gicleur de ralenti. Mais le reste, je pense que. Ok. Donc, la dernière, c'est la plus intéressante. Bah, super. On garde la 9. Ouais. Bon, on peut toutes les garder. Si on garde peut laisser. Ouais, si on peut laisser comme ça, moi, ça me va. Hein. Et donc, ce montage en double carbu d'origine apporte bien du gain. Je vais pas vous faire le détail exact des résultats ici. Vous en avez eu déjà un très bon aperçu. Et ça m'a donné envie de tester quelques petites modifications sur cette pipe
type d'admission, parce que finalement il y a beaucoup de données qui ont changé, et donc j'ai envie d'approfondir tout ça pour savoir quels facteurs influent sur quoi. Et donc tout ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bon du coup, on la monte sur le plateau et après on va tartiner à Magnicourt. Ça va être sympa et puis à très bientôt. Salut !